Bonjour à tous, bienvenue dans ce clip. Donc, je vais juste vous parler un petit peu de TDD et puis de voir que c'est pas quelque chose bien que non, ce soit test driven development, les tests c'est pas finalement le plus important dans le TDD. Donc, je me présente très rapidement, je m'appelle Nicolas Perru, je travaille chez SonarSource, je suis développeur sur de l'analyseur Java chez SonarSource. Et le TDD c'était quelque chose qui m'intéressait avant que je rentre justement dans la société. J'essaie d'appliquer au quotidien tant bien que mal, et puis là maintenant justement c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les mœurs, dans le développement. Donc voilà. Alors on va juste commencer par rappeler un petit peu le principe, hein. Ça consiste à dire, un TDD c'est quoi? Ça consiste à d'abord commencer à écrire ses tests avant toute chose en fait. Alors ok c'est cool, mais si c'est juste pour faire un petit peu de dire qu'on fait ça en premier, etc., ça n'a pas vraiment intérêt. Un des gros intérêts d'abord, c'est vraiment se poser les questions sur ce qu'on veut développer, en fait. Vraiment de se dire, ok, je veux développer une feature, je vais écrire un test, et en fait, en écrivant un test, on va se dire, d'accord, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment faire? L'objectif, ça va être vraiment de qu'est-ce que je veux implémenter, ça va aider à se poser les bonnes questions, à aller vraiment dans le détail, dans le fond des choses, parce que ben, forcément, en écrivant le test en premier, on va d'abord dire, ben, je vais tester quoi, en fait, enfin, qu'est-ce que j'essaie d'implémenter. Toujours dans le principe du TDD, il y a la procédure, hein, donc, qui est Red, Green, Refactor. Donc le principe, là, c'est qu'on écrit un test, on le fait planter d'abord pour vérifier que justement on va bien implémenter quelque chose qui est nouveau. Ensuite, on va le faire passer au vert. Et une fois qu'il est vert, on peut se permettre de refactorer du code éventuellement, etc. Ça implique un autre principe. Ça implique le principe du Rush to Green. Oups, et après, on parle après. L'idée c'est vraiment de dire, ok, je vais couvrir le fait que je modifie mon code et que je fais du refactoring et que je ne perds pas de fonctionnalité, j'ai pas de régression, grâce au fait de couvrir mes fonctionnalités par des tests. Donc vraiment on commence d'abord par écrire le test, on le fait planter pour vérifier que ce qu'on va faire sert vraiment à quelque chose. Une fois qu'il est planté, on le fait passer au vert, et là on peut se permettre du coup, on est vert partout, on fait un refactor, on tourne les tests, ok c'est toujours vert, c'est bon, c'est que j'ai rien cassé, on continue. Un des principes qui va avec ça, c'est aussi de se poser des questions petit à petit, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment on va commencer l'implémentation étape par étape. Quand j'ai écrit un test, on ne va pas dire bah, je vais tester que mon application marche de bout en bout. On va dire ok, je vais faire un test, mais ce que je vais tester, c'est cette petite partie de fonctionnalité et non pas l'ensemble de l'application. Donc on va commencer par une petite partie. Puis après, on va rajouter un autre cas de test, puis après, et ainsi de suite. Donc on va vraiment avancer petit à petit, d'où le terme de baby steps. Et on va introduire de la complexité au fur et à mesure. Un des énormes intérêts de faire ça aussi, c'est du coup on découpe la complexité. On commence par les choses qui sont basiques, et puis on va rajouter vraiment au fur et à mesure, on ne va pas aborder d'un seul coup quelque chose de complexe sans trop savoir où est la solution, etc. Donc l'idée c'est d'avoir toujours quelque chose qui marche, de continuer d'avancer, vraiment d'avoir une notion de progression sans régression, puisque de toute façon on a les tests qui nous disent si on introduit une régression éventuellement. Ok. Un des principes qui va avec ça aussi, c'est le principe du rush to green. Donc c'est de dire, ok, quand j'écris un nouveau test, mon seul objectif après dans ce que j'implémente, c'est que mon test passe, c'est que ma fonctionnalité soit couverte. Ça va avec le red green refactor en fait, c'est de dire, ok, j'ai mon test qui plante, je sais que j'ai une feature à couvrir, j'implémente, je couvre la feature, c'est cool. C'est peut-être le code le plus immonde qui soit, mais c'est pas grave, maintenant je peux refactorer et je serai couvert par mes tests pour savoir que j'ai pas de régression sur ce que je suis en train de refactorer. Donc ça c'est assez important parce que ça veut dire que je ne perds pas dans des détails d'implémentation. Tout ce qui m'importe c'est de couvrir la feature en premier lieu, et ensuite seulement je vais me préoccuper de ok, est-ce que j'ai vraiment une bonne implémentation, etc. Le trait est un peu exagéré évidemment, hein, on commence pas par écrire du code absolument immonde à chaque fois, c'est pas ça l'encouragement, mais c'est vraiment de dire ce qui compte d'abord c'est que le test passe, ça veut dire que la feature est là. Ensuite, j'essaye de faire du beau code, mais pas forcément faire du beau code tout de suite. Et une des raisons, ouais, ensuite, donc ce que ça demande du coup, ce qu'il faut avoir pour pouvoir correctement appliquer tous les principes qu'on vient de voir, c'est que les tests soient réellement unitaires. Donc c'est vraiment du coup, ça veut dire on va tester petit à petit. Ça va avec le baby step, c'est-à-dire que on va vraiment commencer par quelque chose de petit, on ne va pas avoir un test qui couvre 15 fonctionnalités en même temps, on va vraiment réduire la fonctionnalité au plus petit niveau, donc vraiment baby step. Donc le test soit vraiment unitaire, et d'où son nom en fait. Et un autre requirement aussi pour pouvoir appliquer tout ça,
c'est que ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est qu'on fait, c'est les red-green refactor, donc on passe notre temps à faire tourner les tests. Donc si on fait tourner les tests très souvent, il faut qu'ils aillent vite. Quand ils sont unitaires, ça va à peu près, on arrive à les faire tourner vite, mais c'est vraiment hyper important puisqu'on va les tourner tout le temps en fait, les tests. Les tests, ils vont tourner à chaque fois qu'on va implémenter une fonctionnalité de quelques lignes, à chaque fois qu'on va vérifier un refactor. Donc il faut qu'ils aillent vite, s'ils ne vont pas vite, on va perdre un temps fou et on ne va pas les tourner. Et résultat, on retombe dans une boucle qui n'est plus du tout le red green refactor et on est plus du tout en TDD. En fait. Donc ça, c'est aussi assez important. Et du coup, l'avantage de tout ça, c'est quoi? Et ce n'est pas seulement d'avoir des tests, l'avantage de tout ça, c'est que petit à petit, en fait, ce qu'on va implémenter, vu qu'on se concentre avec le rush to green, de faire passer le test, puis qu'après on fait du refactor, etc., on va garder normalement une approche et un design qui sont relativement simples en général. Parce qu'on ne va pas se préoccuper d'autre chose que de faire passer le test pour la feature. Donc, toute logique, on ne va pas se préoccuper de beaucoup d'autres choses annexes qui ne sont pas nécessairement importantes pour ceux sur quoi on se concentre. Et du coup, on va petit à petit implémenter quelque chose d'assez simple, ce qui est très compliqué à faire en fait. Très souvent, justement, quand on est développeur, en général, les développeurs, c'est des gens assez intelligents. Normalement, il y a plein de développeurs, donc on va dire ça dans la salle. Et puis on a vite une tendance à l'over-engineering, à l'over-thinking, à vouloir développer et implémenter des choses dont on n'aura jamais besoin. L'exemple de l'image, là, c'est un volant de Formule 1. Bon, ok, sur les voitures modernes, ça commence à ressembler à ça, avec les autoradios, machin, tout ça, mais dans votre Twingo, vous n'avez pas un volant comme ça, parce que vous n'en avez absolument pas besoin, en fait. Le volant, il est tout simple, ça sert juste à tourner les roues et pas à régler je ne sais trop quoi d'ailleurs. Et donc ça, c'est un principe qui s'appelle « Like me, you ain't gonna need it », qui est vraiment le fait de dire on se focus à faire passer le test, pas autre chose. Et ensuite, éventuellement, s'il faut de l'intégration, des choses comme ça, on y repense. Mais vraiment, on met le focus là où c'est important, et on n'essaye pas de faire de l'over-engineering avec une factory pour créer des trucs en générisme qui peut-être un jour serviront à faire évoluer le module si on a besoin de... C'est le bad smell, la phrase bad smell en général dans ces cas-là, c'est « ouais, mais si un jour ». Ça va permettre de détecter l'over-engineering. Ouais, mais si un jour on a besoin d'eux, ben à ce moment-là on le fera. Mais là on n'en a pas besoin, donc ben pas besoin d'aller faire les choses. Tout l'enjeu de la méthodologie, justement, c'est de voir que ben, en fait, le code qui est testé, finalement, le fait d'avoir du code testé, c'est presque un side effect. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que ce qu'on va développer au fur et à mesure, ben ça va être, on va faire émerger un design au fur et à mesure du développement en fait. On n'a pas forcément pensé à la solution avant d'en avoir eu besoin. On va d'abord poser les problèmes petit à petit, et la solution va émerger au fur et à mesure de la complexification des tests, des cases qu'on va couvrir, etc. Et donc, ben, en fait, c'est un peu de la provocation, hein, tout à fait, mais le fait que le code soit testé, c'est juste un moyen de parvenir au design idéal par rapport au problème qu'on a. Donc voilà. Un autre point aussi qui est intéressant, alors ça on sert beaucoup nous maintenant sur le développement du plugin Java en tout cas, c'est que le test sert de documentation en fait. Alors pour ça je vais juste prendre l'exemple justement du développement du plugin Java. Ce qu'on fait chez SummerSource, c'est qu'on développe des règles pour des langages, et donc en Java on développe des règles. Et une règle, il y a toujours un moment où il y a des choses qui peuvent être un peu limites. Est-ce que ce cas-là on le couvre? Comment la règle se comporte dans tel ou tel cas, dans telle ou telle construction de langage, etc. Et en fait, ce qu'il faut juste dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ok, je sais pas, mais je vais écrire un test. Et en fait, si justement on a des doutes, on va compléter petit à petit les tests avec les corner cases qu'on peut trouver, etc. Parce qu'on n'arrive pas forcément à tout couvrir du premier coup. Mais petit à petit, on complète les tests unitaires avec ça. Pourquoi? Parce que ça permet au développeur suivant qui arrive et qui se pose la question de regarder en fait le code du test unitaire et de se dire, ah ok, donc quand j'ai cette construction là, en fait, c'est censé planter ou c'est censé réussir, etc. Je suis censé trouver un problème ou pas. Alors pour notre cas, c'est des règles, etc. Mais en fait, ça permet aussi de dire vraiment, ok, si j'ai tel input, en fait, je m'attends à ce que j'ai tel comportement. Et ça va être documenté dans le code du test, en fait. C'est assez pratique, justement, parce que la documentation, personne n'en écrit, il faut être assez réaliste. C'est toujours le truc qu'on fait en dernier et qu'on ne fait pas. Donc ça, c'est vraiment bon de pouvoir rajouter cette documentation-là, etc. Puis ça permet de la rajouter aussi après coup, c'est-à-dire que je suis un développeur, j'arrive sur quelque chose, je sais pas ce qui se passe dans le cas où on m'a dit qu'il y avait un bug, je vais écrire mon test, je vais mettre mon input, et puis je vais le laisser là en fait, ça va documenter le fait que j'ai justement couvert ce case-là.
Et puis, dans la vraie vie, typiquement, c'est assez dur, suivant ce qu'on fait, d'arriver à appliquer une méthodologie stricto sensu. Mais, je prends mon exemple personnel, mais c'est vrai que suivant les compagnies, c'est pas évident, etc. Là où ça devient intéressant, c'est vraiment quand on commence à aborder des choses qui sont assez compliquées, en fait, de se dire à un moment donné, non, j'ai aucune idée de comment je vais résoudre le problème qu'on m'a posé, en fait, la feature qu'on m'a demandé. Donc, je reviens vraiment aux basics et j'applique un peu stricto sensu ce que je viens de décrire. Et enfin, ça m'arrive personnellement hein, quand on a des règles qui sont un peu compliquées à écrire. On va dire, ok, je vais prendre le premier truc que je veux couvrir, vraiment le premier cas en isolation, dire, ok, dans ce cas-là, je dois trouver un problème. Donc, j'écris mon test, j'implémente la première solution, mais je sais pertinemment que je ne couvre pas du tout complètement ce qu'on m'a demandé d'implémenter. Donc, on va rajouter au fur et à mesure des choses et toujours en red, green, refactor. On fait planter le test. On le rush to green pour couvrir la fonctionnalité et on refactor pour avoir du code qui soit un peu moins sale. Et donc, petit à petit, on arrive à faire émerger un design auquel on n'avait pas forcément pensé a priori ou qui aurait été compliqué à penser a priori en fait. Et donc, c'est justement, petit à petit, on fait comme ça. Le gros danger en fait, c'est des fois de vouloir être un peu trop intelligent en fait et d'essayer d'aller trop vite, en fait, de croire que c'est bon, ok, je sais comment je vais faire mon algorithme, etc. Alors ça marche dans les cas simples, puis dès que ça commence à être un peu trop complexe, enfin en tout cas moi j'y arrive plus, et du coup je me repose ces questions-là en posant petit à petit les briques pour pouvoir résoudre le problème. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur le test-driven development, et comment justement, le test c'est important, etc., mais c'est qu'un moyen pour atteindre des objectifs qui sont beaucoup plus grands en fait. Notamment découper la complexité. Voilà, vous avez des questions ? 2 minutes. Est-ce que tu écris tous les tests d'un coup ? Non. Après tu codes ou alors enfin, sur un cas, alors tu écris un test, tu fais, après tu rajoutes des tests pour atteindre le périmètre de ta fonction. En fait c'est vraiment l'itératif, c'est important. Aussi. C'est que tu écris ton premier test, ça couvre une feature que tu as isolée en fait, et ensuite, enfin qui est unitaire, comme le nom l'indique, et ensuite tu vas donc implémenter cette feature unitairement, et puis tu vas rajouter. En fait, ce que tu as écrit comme test au fur et à mesure, ça te garantit que tu n'es pas en train de casser quelque chose que tu avais avant en fait. Ça te garantit la non-régression. Là-même. Donc tu vas vraiment écrire le test, faire passer le test, et une fois que c'est vert, tu vas réécrire un test, le faire planter, le faire passer, et continuer comme ça. Donc c'est vraiment l'idée de faire d'itératif et de justement rajouter de la complexité au fur et à mesure parce que souvent les problèmes sont trop gros pour qu'on puisse les prendre tout de suite à bras le corps. Ou on peut ça marche aussi. Mais là ce qui est intéressant c'est que justement tu vas probablement arriver à des solutions auxquelles tu n'auras pas pensé. Et ça va aussi te forcer à te poser vraiment la question de qu'est-ce que je veux couvrir dans chaque corner case, etc. J'ai essayé de faire ça un peu, et des fois on a un peu tendance à écrire, à implémenter des cas particuliers, quoi, un ensemble de cas particuliers. Ouais. Alors qu'en regardant le scope complet, on... C'est toujours, il y a toujours une balance à trouver des fois où effectivement, mais le truc c'est qu'on arrive toujours à peu près à se remettre dans une démarche d'implémentation au fur et à mesure, etc. Il y a des problèmes des fois qui sont suffisamment simples pour qu'on n'essaie pas de se poser trop de questions non plus, puis on couvre, etc. L'intérêt pour moi, c'est surtout de dire justement, je vais vraiment aller jusqu'au fond des choses en me posant la question de qu'est-ce que je teste en fait. C'est vraiment quand je vais écrire mon test au fur et à mesure, comme j'ai découpé vraiment mon problème en vraiment en petits morceaux et que je me focus sur vraiment un truc, je vais pouvoir le creuser jusqu'au bout, ce corner case, et du coup, je vais arriver à avoir le périmètre de mes corner cases couvert par les tests. Ce qui n'est pas forcément évident quand tu as une approche plus globale. Tu lis ça de la couverture de code ou systématiquement? Complètement. Voilà, après, forcément, on fait tourner SonarQube, sur le projet, et donc forcément, on regarde beaucoup la couverture. Moi, c'est une métrique que je regarde beaucoup, en tout cas. Mais ça, après, chacun ses approches, ça reste une métrique. Donc, Et les tests d'intégration, tu les fais rentrer dans la boucle ou pas en fait? Non, alors les tests d'intégration, en fait, là je parle vraiment de ce que je fais au quotidien chez SonarSource, donc c'est clairement assez spécifique, mais
Nous, cette intégration, c'est vraiment à tester des parties qui sont... donc moi, je travaille sur un plugin de la plateforme, donc cette intégration, c'est vraiment à vérifier qu'en gros, les métriques que je vais donner à la plateforme sont reportées bien correctement vers la métrique. Ça sert à tester à la fois que le plugin ne fait pas de régression et que la plateforme non plus n'en introduit pas. Donc ça, c'est en dehors du scope, c'est vraiment de vérifier qu'on a une boucle qui tourne bien. C'est en dehors du scope du développement de features en test-driven development. Ça reste dans test-driven development dans le sens où on a des indicateurs par des tests en fait. C'est-à-dire quand quelqu'un va introduire une régression quelque part, je sais que j'ai un test qui va sauter. Et du coup, on est assez confiant sur ce qu'on pousse. Tous les tests sont ouverts, donc on sait que ce qui part, ça va couvrir quand même pas mal de choses. Je ne sais pas les bugs, hein. Mais on est quand même beaucoup plus confiant. Puis on sait aussi que quelqu'un qui va faire sauter quelque chose, normalement, on devrait le voir assez rapidement. Pas d'autres questions ? Merci à tous.